Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail. Ce matin 6 août, Dieu nous fait grâce qu'on puisse se retrouver pour pouvoir honorer donc notre drapeau. Il y a deux jours de cela avant-hier, 4 août, nous célébrions donc l'anniversaire de l'avènement de la révolution du Burkina Faso, qui a vu donc naître la lutte pour notre indépendance réelle. Le 4 août 1984, le nord Burkina Faso est né avec le drapeau que nous venons de monter, les armoiries, l'hymne national, tout a été changé. C'était un espoir de pouvoir donc donner un souffle nouveau à notre pays. C'était bien sûr à la veille du 5 août qui consacre donc la proclamation de l'indépendance qui nous a été donnée donc en 1960. Alors je souhaite que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, à cette même célébration, que nous soyons en train de consolider l'indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour acquérir. Que chacun s'y mette, parce que l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener actuellement. Depuis quelques semaines, je dirais, de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouverne et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigé par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés, qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devrait avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnel FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai.
Vous savez que les BIRS sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail.